Bonjour à toutes et à tous, c'est Samanka et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Classified France 44. Et aujourd'hui, pas le choix, on n'a qu'une seule mission, une mission histoire, une mission qui donne suite à la mission qu'on a fait précédemment avec Lionel Delanne. Notre allié Lionel Delanne a découvert un chemin menant à un bunker de commandement allemand dans la région. Il est disposé à nous y conduire et à nous aider à éliminer l'officier qui y est posté. Une frappe directe sur la chaîne de commandement nazi pourrait s'avérer capitale à l'approche du jour J. L'assassinat ? C'est une escorte, puisqu'on aura Lionel Delanne avec nous. Et c'est un bunker. C'est une embuscade, ça tombe bien. On a le bonus des embuscades. On aura un M3 et un Luger Elite. Ok. Éliminer l'officier SS. Veiller à la survie de Delanne. Ok. Tuer l'officier rapidement et tuer les ennemis avec Delanne. C'est totalement un certain nombre d'ennemis. Une mission histoire. On a pas mal de gens qui font des choses. On reconstruit, on recrute des FFI. On aide une faction. On va prendre, ma foi... du beau monde. Je vous prends Tremblay, bah pourquoi pas, on va prendre Tremblay aussi. Voilà. Là, on a du beau monde. Hein. Niveau équipe élite, on est pas mal. Attention que nos chers ennemis de la Gestapo et de la Feldgendarmerie vont pas tarder à récupérer. Les FFI, ça les arrête pas très longtemps. 3 jours. Ils vont récupérer, mais ils vont peut-être pas passer en représailles tout de suite, j'espère. On peut réparer une région à la fois, ils sont 3. Donc l'un dans l'autre, plus longtemps ils sont actifs, plus longtemps ils nous ennuient. Tout simplement. Alors heureusement, on a maintenant le bonus qui permet de faire des missions 100 jours de plus lorsqu'on est dans la même zone qu'eux. Mais les ennemis auront toujours un niveau de plus. Ça c'est embêtant. On est à 11 jours de débarquement. Donc avec les 2 jours de mission là, on sera à 9 jours. Ça se rapproche, et on est loin d'avoir libéré toute la France, et on est à peine. Le target est nearby. Si nous actons rapidement, nous pouvons striker et escaper avant que l'ennemi ne sache ce qui les a. Ouais, c'est vite dit. Tu es 6 ennemis avec Delanne, d'accord. Très bien, ennemi là, ennemi là, ennemi là, ennemi là. Wow, 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 il y a du monde. Il est loin, hein. 9 tours. Va falloir y aller, hein. Lui, ok, il est là. Il y a une porte qu'on peut ouvrir. Okay. On va voir ce que Tremblay peut faire. Et tu peux assassiner personne, visiblement. Tu vas jusque là, mais si tu vas jusque là, tu n'as pas assez de points d'action pour assassiner. Et lui, regarde par là, mais la porte est fermée. Lui, il va mourir. Pour monter le long du couloir, là. L'officier rapidement, tuer les ennemis avec Delanne. De toute façon, la sortie est là. Donc le mieux, c'est dégager un chemin jusque là. Yes. Moving out, swell, a target. Moving. Ok, un soldat de base. Ah non, un mitrailleur d'élite dispose d'une armure renforcée, récupère des points de vie à chaque tour. Ah, ici il y a un mitrailleur d'élite. Ah, lui va embêter. Et un Waffen SS tireur d'élite peut infliger un coup étourdissant et applique ciblage. Ok. Et des soldats d'élite aussi. Soldats d'élite dispose d'un excellent équipement et d'un excellent moral. D'accord. Là il y a la cuisine. Oh. Je m'attends à avoir un chef cuistot d'élite. Ça fait du bruit. Est-ce que lui va l'entendre? Normalement non. Lui est exposé mais... Autant éliminer dès qu'on peut. Ah ouais, 4 points d'armure quoi les mecs. Ok. Yes. Avancer un maximum. Moving out. On sait pas comment ils sont arrivés là, hein. Y a pas de porte. Ils ont creusé un trou dans le plafond. Pas trop logique là. Bon, mon but c'est d'avancer le plus vite possible. Et bien ils ont un point d'armure, 2 points d'armure. Tout quoi. Oh oh. Il a ouvert la porte. Ok, ça je m'y attendais pas. Continue à avancer tout droit, c'est-à-dire qu'il peut se faire tuer facile. Ok, maintenant ils ouvrent les portes. Ici on a vu des gens qui patrouillaient sans ouvrir spécialement les portes. Lui, il faut qu'il continue à avancer, de toute façon, vu que on peut pas l'éliminer,
corps à corps. On va le voir. Ah, c'est une autre façon. Lui est tout derrière, donc je le fais éliminer. Zut. Il va se retourner. Mauvais ce que j'ai fait. Très mauvais. Okay, on a un mec là, mais lui va se retourner. Il va avancer. Il va voir lui. Il faut que je me cache. On va l'éliminer lui, hein, de toute façon. C'était comme les autres mitrailleurs. Il est impossible à éliminer. Donc, soit je passe là. J'ai le buter lui. Je remonte par là. Parce qu'il m'attend. Soit je passe là. Là, il y a une zone de détection. Et là aussi, c'est bizarre. Mais bon. Il y aurait un mec. C'est de passer par là. Mais pour là, eh bien, il y a ces messieurs-là. Donc, c'est des zones de détection un peu bizarres, là. Je passe. Je ferais peut-être passer par là. Tac, tac. Et après, par là. Ce qui veut dire... donner le point à lui pour pas qu'il soit au milieu du passage parce que sinon ça pue. Alors faut le faire aller là et espérer que la mitrailleur le voit pas en passant. C'est un autre problème. Lui a l'air de pas bouger. Lui, je sais pas s'il va continuer, à mon avis il va revenir. Il était là à l'origine. Oula. Il va faire des patrouilles parce que le mec qui était là est arrivé là. Je vais faire avancer là. Lui, on va le faire avancer là. Voilà, suivant. C'est là. You want me? 8 tours pour tuer l'officier encore derrière. Hein. Vraiment bouger. Hein. Lui il va arriver là, mais bon. Ça fait un peu beaucoup de monde. Hein. On va le mettre là, lui. Ok, on va voir. Eux ont pas l'air de bouger. Il se retourne, lui revient, très bien, pas de soucis. On peut l'air de bouger, lui revient. Comme prévu. Je m'attendais à ce qu'il se mette une case plus loin, mais... marche aussi. Il est encore loin. Très très loin. Moi je peux pas l'assassiner du coup. Lui il fait du bruit mais ça va, pas trop. Ok là il y a un mec, j'ai l'impression qu'il fait ça, ça. Je peux peut-être passer par là. Tac tac. Lui va remonter. Je sais pas ce qu'il va faire. Il y a lui qui a l'impression qu'il fait des allers-retours comme ça. Moving out. Shh. Enemy. Ok, lui va faire un aller-retour là, ça me va, si je peux l'éliminer. Moving. On va pas l'éliminer, faut que je fasse passer mes hommes. Quand lui il va avancer là, faut que je fasse passer mes deux hommes là qui sont bloqués. Ensuite, et je tue lui, je passe là. Je passe là. Il y a encore une distance. Hein. Alors, je le tue dans un tour et un seul tour. Un tour d'un seul. Ça le tue pas. Bon, ça le neutraliserait, mais. Ça le tuera pas. Il y a un médic, c'est pas un problème. Enfin, jamais une joie d'avoir un médic, mais
Il va pas trop me gêner normalement. Et lui, bah, il peut pas bouger, hein, tout simplement. Ah si, il peut. Oh, il peut sneak par là. Il peut même aller jusque là-bas. C'est pas mal. A priori, il devrait pas être dans le champ de vision du mec. Bon, là, il le sent pas se glisser juste à côté de lui, ce qui est bizarre, mais mettons. Ok. Ah, sauf que j'ai fait une bêtise. Lui va avancer là, et il va me voir. Et je sais pas rien faire. On va voir, mais a priori, il va me voir direct. J'ai pu penser aux soldats que je voulais tuer au tour prochain. Too close, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Flankensichern. Enemy. Il s'ouvre avec le pied, carrément. Bon, mais il n'y a plus qu'à recommencer le tour. Ok, on se retrouve à l'endroit où on s'est laissé. Et en fait, bah, ce monsieur, je vais peut-être pas le buter. Plus droit qu'à 3 kills. Je sais, mais il m'ennuie pas pour l'instant. Il va par là. Donc je pense que je vais pas le buter. Ouais. Je vais demander à lui. D'aller là. Celui-là m'embête. Je serais détecté. Je suis détecté, mais bon, je le bute. C'est un peu bizarre. Il y a lui, mais j'ai pas envie de l'éliminer, ça sert à rien. Ça me fait une élimination qui ne sert à rien. Allons là. Avance au maximum. Ouais, tu vas là. Ouais, tu vas te mettre ici. Oui, c'est pas mal. Il verra pas. Il reste tremblé. Là, il va être visible par le mitrailleur. Si je le mets là, il sera visible par le... Il va être détecté par lui. Il a une case. Ouais, j'ai pas beaucoup de possibilités, hein. Pas beaucoup de possibilités. Le mieux, c'est que je le mette là. Après, je fasse retourner le mitrailleur avec un caillou ou un truc comme ça. Allez, on va essayer comme ça. Ok. Avec la faut qu'il meure. L'élimination fait du bruit. Ce sera pas entendu par d'autres, visiblement, j'espère. Il ou de l'âne. Je vais venir le buter. Oui. On va le faire buter par lui. Ça fait toujours un ennemi tué avec de l'âne. Ok, toi. Je peux buter lui, mais est-ce que ça va te faire repérer? Lui, il le voit pas. Si. Il est dans son champ de vision. Je ne sais pas. Nous, on va faire une sauvegarde rapide. Bien leur camouflage. Je sais pas si c'est accurate au niveau historique. Mais camouflage un peu automne comme ça.
Et c'est plutôt sympa. Ok, toi. Petit caillou. C'est bon. Ça, il va aller par là après. Ah. Ok, lui il va pas me faciliter la vie. Un mec là, mais qui a pas l'air de bouger. Ah, mais il n'y a plus les zones rouges ici. Les zones un peu chelou. Bouge pas. Il y a un mec au bar, visiblement. Il y a des rouges, jaunes, rouges, zones de détection ici. Il n'y a plus l'air d'avoir. L'avantage, c'est que ces petits cailloux, c'est pratique. Il va me gêner, je peux pas passer là, en fait. Il bouge pas devant la porte. Et le méchant est là. Il y a une zone rouge devant la porte, là aussi. Ce qui est étrange. Il y a personne qui regarde là. Donc, que ce soit une case à lui. Il voit jusque là. Possible. Là, il y a rien, c'est la fin de la map. Si je vais tuer lui, je peux pas tuer lui. Ouais, 5 tours, hein. Je suis pas si loin que ça. Lui, il est là. Faut pas oublier qu'il va remonter derrière. Lui, il va continuer à avancer. Attention, il bouge pas. Je peux pas éliminer les deux. Je peux pas éliminer lui et lui. Ah, lui, il peut pas passer en plus. Il est vachement loin, lui. Absolument que j'attende mes hommes. J'ai le droit à deux mecs là. Lui va avancer là, il verra comme ça, je pense. Allez, un troisième mec là. Toi là. Un mec là. Il y a un mec là, il devrait pas le voir, il est derrière la caisse. Maintenant. Toi, tu peux. Bon, allez par là, ça ne sert à rien. On est honnête, ça ne sert à rien. Lui va continuer à avancer. Il verra toujours droit normalement dans la porte. À la limite, il verra cette case là. Ça peut être embêtant pour lui. Ou alors j'élimine directement. Si j'élimine directement, le problème c'est qu'on commence le combat. Et je suis pas tout à fait l'officier. Il me plairait d'arriver au combat à l'officier. Ce mec là, je serais obligé de l'éliminer visiblement. Il bouge pas. Il a même pas l'air de se tourner. À moins que j'envoie un caillou et que je passe passer mes hommes. Si je suis par là, j'envoie un caillou, je vais passer mes hommes. Ça peut se faire. On va essayer de faire un tour, on verra bien. Ok, attention, il y a le mec qui arrive peut-être pas, peut-être par là, le sniper de tout à l'heure. Ok, ils sont coincés. Il le voit pas, comme prévu. Il bouge pas, hein. Embêtant, mais pas grave. Par contre, il remonte, ça c'est embêtant. Est-ce qu'il reparte par là? You need me. Mais là, il va me voir. Hein. Vraiment qu'il soit très très nul pour pas me voir. Abuser du caillou. Je le fais se tourner. Qu'est-ce que je peux y gagner? Je peux mettre ces deux hommes là, là. Intéressant. Est-ce qu'il reprend sa position avant de monter ou est-ce qu'il monte directement? La grande question. On va faire une sauvegarde rapide. What is it? Moving. You want me? Moving. Yes. Moving.
On va voir, est-ce qu'il reprend sa position ou pas? Cage, ok. Non. Il monte directement sans prendre de position. On va pouvoir attendre une fois qu'il se bouge, deux fois qu'il se bouge. Ça va être trop court. Tuer l'officier. Ah, il a changé de pièce, l'officier. Très bien. Bah écoutez... Ok, il y a un mec là. Lui regarde déjà pas par là. Faut que je montre juste que lui regarde pas par, regarde vers là. Ça, il y aura pas de zone rouge. Voilà. Après, on peut demander à. En vrai, peu importe. Lui de déclencher l'embuscade. Bon, on n'aura pas l'embuscade sur ce mec là. Mais là, il nous reste que 3 tours. Ok. Bon, maintenant, ça va chauffer. Oui. Yep. On y va. Officier d'élite SS de Waffen SS peut soigner le moral, peut conférer des PA supplémentaires, peut être réanimé, peut inspirer le courage aux ennemis proches. On cible. On est déjà 100%, mais sans doute on va rentrer dans la pièce. Ah, il a plein d'armure. Moving. Can confirm. Right on target. Nice shot. C'est pas mal, pas mal. Lui ne peut pas blesser les alliés, il me semble. Ok, il est à terre. Du coup, ça l'a pas compté comme tué. Hein. Que je remets un PA à lui. On va voir. Il est exposé, lui, hein. Ils vont arriver, les mecs. Autant que je donne un PA, hein. Ça coûte pas cher. Sauf qu'il est plus assez. Il peut lancer une grenade, il peut faire la vulnérabilité. Ok, c'est pas grave. En 15%, c'est pas mal. Pas mal du tout. Morale brisée. Ok, pas mal. Personne par là, j'ai pas l'impression. C'est les quartiers de l'officier, donc. Souci. Ça prend 12 et... Non, il prend 6 pour tirer, lui. La 14, là, ça passe. Ah ouais. Il va faire un tir allié, lui. Enfin, on va tuer lui. Roger. Voilà, je vous montre pas, c'est trop... C'est trop horrible. Et, merci, je sais. 60%, ça me compte que 1. Est-ce que j'irai pas mieux? 90%, mais ça me coûte 3. 60%, toujours. Je vais sortir par là. Lui, il est exposé de ouf. Hein. Bon, vous allez me dire, il a l'habitude. Mais quand même. Il y a lui qui est... Confusion.
gars. 60%, c'est pas terrible, hein. Sure. Take the shot. They suffered us. Au pire, I'm dry. Gotta reload. T'as l'air sur place. Bon, la grenade, c'est que 3 points. Donc j'ai encore 2 points. Je peux remettre... Oh, ça c'est bien ça. Lui peut tirer. Ou je peux remettre 6 points à lui. Il peut déjà bouger et tuer un mec. Un des deux. Bah, du coup celui-là, parce que celui-là bougera pas. En mouvement. Ok, c'est bon. Lui bougera pas. Eux vont venir de par là. De par là. Là, je suis à couvert par rapport au mec qui arrive de par là. Et je suis à couvert par rapport au mec qui arrive de par là. Ok, ça va être chaud. Hein. Alors qu'on court. Il y a un mitrailleur qui traîne là. Il y a plusieurs mecs là. Il y a un sniper là. J'ai plus de points. C'est parti. Allez, ouvre la porte, mon gars. Moi, je veux voir ton joli visage. C'est vous, les Bosch. T'as tiré où? Ah ouais. Comme ça. Allez. Mais oui, on est still in the game. I'm low on ammo. Oh. 100%, mais 40% de critique. Je passe à 100% de critique, ça serait bien. Ah, tu as pas bougé ton flingue? Attack! Parfait. What's the plan? Good shooting, Tex. 92%, mais je risque de blesser mon allié. Moving. Yes. I've got him lined up. Tiens. Tu l'auras pas volé ça. Il y a certainement d'autres ennemis là. Hein. Il sera très bien positionné lui. Ciblage. Pas mieux 92%. T'es pas très doué en fait toi. Hein. Moka record t'as 92%. Le mec il bouge pas, il est littéralement en face de toi. Concert CP après une élimination. Et si je vais là, de toute façon il aura pas assez de PA. Voilà. Nice kill. At your service. Bah, tu reservis, y'a pas grand chose à faire, mon gars. Max dry. Reloading. Toi, tu recharges. Moving. In position. Toi, eux ils ont floué, eux ils ont joué. Lui, est-ce qu'il va revenir par là? Je ne sais pas. Checking my sector. Ok, toi, bah. Tu peux rien faire. T'as pas te mettre là, tu mettrais en danger pour pas grand chose. En fort dans un tour, ok, ça roule. Ok, contrôle la zone, pas de soucis. Faut avancer, hein, faut se tirer de là. Notre but c'était de rentrer, tuer et se barrer. Ok, ils veulent pas rentrer. Voilà, toi t'es arrêté dans ton élan. Ouais, enfin, close one, j'ai peut-être pas jusqu'à dire que c'était un close one, mais bon. Yep. 95%, 95%, c'est pas mal. Moving out. Une petite... Hop là. Petit ciblage sur lui. Ça, on lui tire dessus avec du critique. Suffit pas, zut. I'm low on ammo.
Moving out! Die Felle flankiert! Moving! Sie greifen meine Flanke an! Allez, tu tues! Firing! Ah! Bien! I'm dry, I must reload. He's gone, belly up! Y'a un mec là. I'm ready! 11%, c'est pas mal. J'aurais dû mettre ça. 100% de coups critiques jusqu'à la fin du tour. Ça se prend. Ok, si je me bouge, il y a encore des mecs là? Non, ils vont apparaître. Je suis à 100%, alors que je suis à 91%. J'aime bien 100%. Ah. Un coup de fusil à pompe, mais il est encore vivant. Il est certes exposé, mais... Ok. On va leur donner un petit ordre. T'as demandé de tuer des ennemis. Pas de jouer avec eux. Ok. Bon, les ennemis vont apparaître là. Il y a un mec qui va apparaître là aussi. Ok. Du coup, toi, tu peux peut-être défoncer lui. Pas énorme, mais ça pourrait passer. Lui, il peut en mettre des points aussi, c'est vrai. Il est très exposé, là. Il y a des mecs qui vont débarquer de par là. De toute façon, faut que j'avance. Hein. Toi, tu peux aller là. Tu le tueras pas. Ok. Donc. Faites un effet de ciblage. Il y a au moins deux mecs là, attention. Effet de ciblage, t'as 100% de chance de critique, mais... Aimer l'élimination de la cible. Essayons. Bon voyage. That's ça passe. En recharge. Can I help? Et on le sait qu'il y a des ennemis là. Vérifiez votre secteur. Ok, toi, tu peux recharger. Reloading. Ok, on couvre l'air. Toi, bah pour l'instant tu vas te mettre là. Oh là, 4 mecs d'un coup. Je viens d'en éliminer 4 justement, c'est parfait. C'est des mecs un peu moins forts, j'ai l'impression. Ok, ça peut quoi faire les mecs hein. J'ai l'impression que si les portes sont pas ouvertes quand c'est le combat... Ah si quand même. Moins. Ce mec est quand même... C'est impressionnant. Et... 100% si je vais là. Il est exposé, il a mal. Mal, c'est pas suffisant mais il a... c'est pas mal. Dolan, tu es où? Déjà faut que tu recharges. C'est-à-dire qu'il te reste 9. C'est-à-dire que c'est impossible que tu touches notre copain là-bas. Pas de soucis. 95% si je te mets ici, pas mal. Roger. Ok, pas mal ça. Moi c'est une munition, autant profiter. En mouvement. I am in position. Ok, il y a les mecs là qui vont arriver aussi hein. Pas oublier. T'as couvert contre rien. Est-ce que je te fais juste courir? You want me? Move it. Checking my sector. Ok.
je vais le faire courir. Tue des gens, mais bon. Ok, renfort là. C'est bien. Med. Très bien. Stellunghalten. Stellunghalten. Ja. I have a target. Taking the shot. Sie haben mich erwischt. I'm full of piss and vinegar. Tu peux le tuer. Il a 45% de chance d'esquiver, hein, quand même. At your service. Est-ce qu'il reste beaucoup de gens par ici? Je ne sais pas. Continue à avancer. En vrai, ce couloir est bien. J'aurais des couverts un peu partout. Ça aussi, c'est pas mal. Moving out. Magazine's almost dry. Reloading. Toi. On peut aller là. Couvre ça. Je suis à 93 et à 97%. Et il y a du monde. Oh, beaucoup de monde. Ça c'est fait. Je vais donner 4 points en plus. On verra. Chance d'hémorragie. Je peux le cibler par contre. Je cible, je mets la vulnérabilité. Et des coups critiques. Et voilà, un de moins. Toi tu recharges. Les petits couloirs ils vont apparaître. Moving out. Qui me reste de l'âne. En vrai, il est trop avancé de l'âne pour l'instant. Il y a 4 mecs qui sont apparus, on en a tué que 2. Hein. Oubliez ça. Oh là là, encore 4 mecs. Ah, c'est fait. Fresh target. Oh, il en a tué un qui n'était pas celui qui visait l'origine, mais c'est très bien, ça me va. Il y a un peu de morale, mais ça va. Il y a quand même le moral brisé, mais je sais pas combien de temps je pourrais tenir, mais. What do you need? Ah, 33%, c'est pas terrible, hein, on va être honnête. Un mec blessé, 2 mecs blessés. Yep. Tu lances à quelle distance ta grenade, toi? Intéressant. Enemy sighted. My flank is open. At your service. What's the plan? Eh, je teste des trucs, hein. Que l'ennemi est deux d'un coup, non. Papa. On va essayer de. Ça n'a pas suffi ni l'un pour l'autre. Excuse-moi. Excusez-moi, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pas grave, on va le faire. À l'ancienne. Peut tuer des gens à l'ancienne, hein, sinon. Faut pas se faire baiser derrière. Oui.
100% vulnérabilité, bon. On a mis tué. Snipe. Reloading. En mouvement. 100%. Attack. Oh god, mich hat erwischt. Yep. On va recharger. Moving. Et on va lui couper un peu les dents. You're mine. Ah, he's having the last fight. Nice kid. Ok. Cette vague-là est bonne. Dès que je commence à avancer, par contre, ça va pas durer longtemps, mes histoires. I'm low on ammo. Tu vois personne. C'est un peu le problème. 4%, ouais. Checking my sector. Toi, tu ferais mieux de reculer un peu. Move it. Changing mag. Ok. Ok. Nouvelle apparition ici. Cocon se barre. Moving out. I see him. Il est dans la zone de l'autre, hein, si je le touche. These hollow points will really hurt. I've got a bead on him. Pas mal, pas mal. Yep. Est-ce que tu peux avancer en toucher un? Il te faut 6 pour tirer, c'est quand même beaucoup. Ah, 62% de chance. Je les ai touchés, mon pote, par contre. Ah, on vous a caché ça parce que c'était une scène horrible. On pense au public aussi qui regarde. 15%, les mecs vont apparaître là. Hein. Et lui, il peut toucher les alliés, hein, donc bon. Pas trop envie non plus. Bon, je commence à avancer plus vite. Moving. Can I help? Yep. Après, c'est tentant, on essaie de le buter. Ok. En mouvement. Il manque un meurtre à Dolan. 5, je vais pas partir tout de suite aussi. C'est qu'il me faut un meurtre pour Dolan. Le premier qui a passé la ligne, il est mort. Pas des scores exceptionnels. I'm low on ammo. Moving. Yes. I've got him lined up. So knapp. I'm out. I have to reload. Dommage. You want me? Si je fais ça, je pourrais plus tirer. Hein. Firing. Help. Il a esquivé, il a pris que les dégâts moraux. Mettons. Au moins il pourra plus esquiver là. On va être honnête. You want me? Moving out. On va aller là. Moving.
prendre des points revers après. Il faut tellement de points pour tirer lui. Si je vais là, je peux quand même le toucher. Ça semble bizarre. Essayons. Je sais pas comment il le voit, mais... On tire allié. On va tester. Mais il a réussi son truc. Bon, il a un peu blessé son pote, mais c'est pas grave. La guerre comme à la guerre, hein. Une nouvelle escouade ici. Maintenant, on se barre. On a réussi l'objectif, tous les objectifs. Esquive. Ça aurait dû toucher, mais il y a une esquive. Je sens que c'est quand même des mecs d'élite, hein. C'est quand même des mecs d'élite, hein. What do you need? Ouais, 15% de chance de toucher, pas mal. I'm low on ammo. Ah, mais si tu le butes, tu seras plus low en ammo. En mouvement. Ok, il va recharger automatiquement. Je peux aller là. Ouais, ouais, faut que tu reload. Tu peux le toucher ici. 21%, c'est nul. Voir, tu peux le toucher ici. 100%, c'est mieux. Il est exposé. Parfait. Yeah. 65% seulement. Quand même 30% de couverture, ok. Ouais, mais attention. Ouais, qu'il blesse son pote avec. Mag's almost empty. Toi, tu prends 6 à tirer, donc non. J'ai pas envie. Je te fasse avancer, toi. Toi, faut que t'avances aussi. Et toi, on va éviter de cramer une munition. Allez hop, à l'ancienne. Ok, on a 2 hommes sur le côté, attention. C'est que des soldats de base, mais ils sont quand même là. Hein. Yep. Moving. Magazine's almost dry. Et surtout, plus beaucoup de possibilités de t'enfuir là. I'm ready. Voilà, avec 20 points, ça sera mieux. Ok, toi, tu t'enfuis. Toi, en vrai, j'aimerais bien que tu tues des gens. C'est ton boulot principal. Tu vois pas grand chose en fait de là où t'es. Vérifiez votre secteur. On va bien voir. Nouvelle squad là-bas, elle est un peu plus loin, ça va. L'ennemi approche. Attaque. Raté. Dommage. I see a target. Sunny, taking the shot. Last round, I need a refresh. Augen offen halten. Kontrolliere deinen Bereich. Ok. Le but, c'est de se barrer. Il n'y aura pas jusqu'au bout, les autres non plus d'ailleurs. What's the plan?
Le mec arrive dans un tour là-bas, donc ils vont mettre un tour, deux tours à nous rejoindre. Oui. Ah, mais il va pas le buter lui. Il voit que lui. Oh. On avance en tirant. 7. Closing. You want me? Moving out. Can I help? On va se retirer petit à petit, hein. Je puisse bouger plus que ça. 8, c'est pas assez. Enfin, si, je fais ma zone de surveillance, mais. En mouvement. Ça c'est fait. On a mis tué. He's gone barely up. Reloading. Point, 7 points, 7 points. Bah c'est. Ou alors je vais là et je fais ma zone. Mais je suis dans la zone des deux là. Ce qui m'embête. Parce que lui va mettre une zone là. Lui va mettre une zone là. Ils peuvent contourner hein, bien sûr mais. Bon allez bouge. 3 points d'armure. Moving out. Mag is almost empty. Moving, changing mag. Ta zone elle va jusqu'où? Elle va jusque là mine de rien. Alors après lui il est un peu au milieu du fight hein. Il va peut-être se prendre des balles perdues. Ah, ils arrivent vite, hein. Aïe. Ils visent bien. Shall I shoot? Taking the shot. Suna. Target acquired. Oh! He bit the bullet. Clean kill. Ok. Tu peux aller jusque là, normalement tout le monde peut aller jusqu'à la fin. Yeah. Moving. You need me? Oh, oui. Désolé, t'as pris quelques balles, mon cher Bélanger, mais. Mais bon, c'était pour le bien commun. Eh ben, c'était tendu comme fin. Ah. Tu m'attendais pas à ça. Bonjour la Gestapo. The game is up. Surrender and we can make this easier for everyone. Männer, ergreif diese Eindringlinge. Tu veux capturer nos meilleures troupes? Et on va devoir les secourir avec nos troupes secondaires? Ah pas. M3 et un Luger Elite. Voilà. Squad Elite. On accepte le résultat. Mueller's Gestapo goons had cornered us. Mueller thought he had us cold. His mind already had us in a comfy cell in 84 Avenue Foch. The Lord had other plans for us. We split and ran and kept running. D'accord. Separated. I reached camp, exhausted, and we waited for Lionel to walk in. He didn't appear. Ah, le camp est compromis. He got what he wanted, the bastard. On s'est juste enfui, bon. Niveau maximum avec les criminels, je pense. So London has given us a choice of mission. We have just enough time to do one or the other. Une mission double. An informant is holed up in a swamp here. We need to silence him before he gives up our networks to the enemy. We have to make a tough call here. The enemy are moving a reprisal squad to hit an assembly point for our combat teams. We need to smash them before they get our guys. Ah, passe. Nous avons accompli un travail remarquable depuis notre arrivée, mais l'heure n'est pas encore aux réjouissances. Pour le moment, nous avons tout juste permis aux forces alliées de gagner un peu de temps le jour J.
Les Allemands vont très vite riposter et lancer des opérations de représailles sur nos réseaux de résistance. Nous devons rester vigilants et nous préparer à attaquer les unités de police militaire avant qu'elles ne terminent leur incursion. Ok, on est au niveau 8 avec les criminels. Prévision météo. Pour que le débarquement soit possible, la météo doit être clémente. C'est pourquoi des conférences météorologiques sont tenues quotidiennement à Portsmouth, en Angleterre. Les experts tentent d'établir les prévisions des prochains jours en compilant les données de nombreuses sources afin de déterminer le moment le plus propice pour le débarquement au tout début du mois de juin. Leur fenêtre de tir dépend de la pleine lune et des grandes marées. Le temps sera-t-il clément? On sait qu'il a été décalé d'un jour le jour J, donc il n'a pas été si clément que ça. La maladie du STO, service du travail obligatoire. Dans une forêt isolée, vous tombez sur une planque occupée par des hommes émaciés et affamés, tous en âge de combattre, qui ont fui les camps de travail forcé du STO. Qui doit les accueillir? Pour 22, on a un FFI. Ah oui, oui, je prends, oui. Oui, je prends. Ok. Ils vont se déplacer, ils vont se déplacer, c'est parfait. On va aller voir l'équipement vite fait. Un secondaire, on a un nouveau pistolet, le Luger Elite. Pour l'instant, tu as le Walther PP Elite. Moins de précision, mais beaucoup plus de dégâts. Pourquoi pas? Qui va prendre ça? Pourquoi pas toi? T'as quoi comme équipement? Le M1911 Elite. Ouais. Déjà une arme un peu spéciale. Toi, t'as que le M1911. Bah, tu peux prendre ça. Bon, tu utilises rarement ton pistolet, on est d'accord. On est d'accord. King. Alors, petit point de compétence. Petit de fusil à pompe, c'est bon. Point d'armure, ça peut être bien. Précision 1 PA, ça peut être bien aussi. Mais il n'y a plus que ça pour les PA. Hein. On va prendre ça. Prends tes médocs. La précision. Le PA, parce que c'est toujours très pratique un PA. Et médecin niveau 2, ou plus 6 PA privatisé, prends tes médocs. Plus 6 PA, on sait jamais que ça peut lui être très utile. C'est pas un médecin à la base, hein, mais bon. Plus 1 PA, je prends. Tremblay. Plus 3 PA après avoir tué un ennemi d'une attaque au corps à corps. Ça peut lui être utile. Ah, tu as fait les deux points, c'est raté. Je préférais prendre le PA directement. Ouais, bon, la récupération. Le truc que je peux faire, de la récupération ou des PV. On va prendre des PV, hein. Ah, Vitel a 3 points. Cher Vitel. Dégâts au fusil de chasse, oui. Un PA, oui. Un point d'armure, je prends. Louvre à 2 points. Prends tes médocs niveau 2. Précision de tue rapide, pourquoi pas. Et toi, tu as 2 points. Hanson. Préparation. Et dégâts au fusil. Parfait. L'arme est équipée, on va aller voir la faction. Et au maximum dans les criminels. Allemand. Voilà. Mais les vestes du franc-tireur de point de vue 4 précision. Ouais, ok, bon. Mal, mais... Exceptionnelle veste de costume. Dégâts d'armes à feu. Après, je pense qu'ils ont déjà des trucs de dégâts d'armes à feu. Mes chers amis. Bélanger. Torse. Des gardes d'armes à feu et lui là des gardes d'armes à feu aussi. PV des gardes d'armes à feu et lui là. PV des gardes d'armes à feu et coup du tir ciblé. Vraiment. C'est génial. Bonjour. I'll make you a good deal. Donc ça c'est moyen. C'est un peu mieux que ce qu'a Vitel, mais. Je vais investir 35 dans le truc. Un de blindage. Je pense que les casques ont déjà les blindages. Ouah. C'est mieux. C'est mieux. Pas mal. Chemisier de l'ombre. Ça lui ferait un truc pour elle.
Point de vie, bonus de couverture, résistance aux dégâts de morale, pourquoi pas. Et ça, bah, c'est la même chose que j'ai avec des plus de munitions. Ok. Les tirs ne peuvent être esquivés. C'est pas mal. Et ça donne confusion. Oh, en vrai, il y a de quoi faire. Les radicaux. Radicaux, on n'a pas plus. Les gaullistes, on n'est vraiment pas bon avec. Hein. Ok, bon, à part peut-être le chemisier de l'ombre. C'est ce qu'elle porte thématiquement, j'ai l'impression. Sachant que j'ai pas de costume pour elle. Et c'est pas exceptionnel en vrai. Je vois ce que je peux faire. Déjà, on va écouter le petit discours entre Willard et Vincent. On l'a pas fait. It's that Mueller bastard. He's got the tortures on overtime. The chef de groupe told me he's called up his old Poland cronies to help. We don't have much time. The best we can hope for is that the poor souls they've rounded up are blabbing false information. But Mueller has teams in the field now, launching reprisals. What if they find us? Well, if they cross our path, let's make sure they regret it. Ça demande de voir l'éliminer à la fin du jeu, ce monsieur. Müller. Ok, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, ça fait déjà un long épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.